Depuis vendredi, le tennis club savinien organise son tournoi estival mis en place depuis l'année dernière. Suite au succès 2009 avec près de 200 inscrits, le CTS a su se perfectionner et répondre aux attentes de tout le monde pour cette édition. On est encore des novices dans le domaine de l'organisation de ce genre de tournoi. Ça vaut être la deuxième édition, on a une première expérience en 2009. Néanmoins, il faut qu'on apprenne. On a eu quelques petits revers, on a travaillé dessus, on s'est renforcé par rapport à la réglementation, l'accueil des gens notamment. Et puis là, je crois qu'on est vraiment, vraiment prêt, quoi. La compétition débute à partir des non classés jusqu'au 15, c'est dire si le haut niveau n'est pas forcément privilégié. Ce qu'on préfère à Sainte-Savine, c'est entretenir une certaine convivialité qui perdure au club. On a déjà participé l'année dernière, effectivement. Bon, le club déjà paraît très dynamique vu de l'extérieur et effectivement très convivial. Et c'est aussi pour se faire plaisir, pour faire des fêtes le soir. Voilà. Et puis rencontrer des gens sympathiques, des adversaires sympathiques. Vous l'avez compris, Sainte-Savine, c'est une histoire de copains, même si certains se sont bien décidés à faire quelque chose dans ce tournoi. On est quand même là pour la compétition, mais bon, rien de tel pour décompresser quand même avant la rentrée. Une compétition qui s'achèvera le 12 septembre prochain, lors des finales. Auparavant, les responsables de Sainte-Savine auront allumé le barbecue et rassemblé les amis autour d'un verre et d'une raquette, bien sûr.